Monsieur Pierre-Hectare. Je me lâche là. Dormez, voilà Monsieur Rouletabille. Si, si, je veux. Ah, Monsieur Rouletabille, vous êtes les plus grands policiers du monde. Mais si, j'ai dit les plus grands policiers. Ah non, non, Monsieur le Maharaja, pas policier, reporter. Ah. Je suis reporter. Ah, oui. Monsieur Rouletabille est le plus brillant de nos subordonnés. Le plus grand détective, j'ai dit. Et alors, si vous voulez retrouver quelqu'un ou quelque chose, monsieur le Maharaja, c'est très simple. Une seule adresse, l'époque. Pardon, pardon. Monsieur le directeur. Monsieur le Maharaja. Monsieur. Quel beau geste, oh, c'est admirable, oh, c'est admirable, oui. On pourra en faire une photographie. Si vous lui donnez de la publicité, ce geste n'a plus aucune valeur. Bah pour un journaliste, vous savez de ces mots, alors. Avant d'être journaliste, je suis d'abord Rouletabille. Enfin, de toute façon, je vous félicite. Nous avons été les premiers à annoncer la découverte des bijoux. Les bijoux, découverts sur la Tour Eiffel. Quel titre en première page. Et tout ça grâce à vous, Rouletabille. Si, si. Alors, vous pouvez me demander ce que vous voulez. C'est accordé. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous demande un nouveau mystère. Ah, alors j'en ai un, déjà un peu ancien, mais qui pourrait vous intéresser. Savez-vous qu'est-ce qui s'est permis de mourir pendant que vous escaladiez la Tour Eiffel? Larsan. Oui, Larsan, on peut dire que jusqu'au bout, il sera resté le même. Un navire, une tempête, un naufrage, et voilà. Toutes les polices du monde lui couraient après, puis lui prenait la voile vers l'Amérique et vers de nouveaux crimes. Je lui aurais suivi. De quoi la mort vient-elle se mêler? Qui l'a reconnue? La police. Ah, je les vois déjà penchés sur la carcasse gonflée, tripotée, ses os rongés par les poissons, lui prendre ses papiers trempés dans la saumure et sur sa main gratter les algues pour vérifier la fameuse chevalière. Et voilà. Ah, c'est une bonne journée pour ces messieurs. Voilà, c'en est fini du plus grand criminel du siècle. Allez-vous porter le deuil? Si j'avais du cœur, je devrais, car tout de même, il faisait monter les tirages. Crime de Larsan, Rouletabille sur la piste de Larsan, un nouveau crime de Larsan. Hélas, tout a une fin. Mais Larsan nous doit cependant une édition spéciale. Laquelle? L'enterrement. Et naturellement, ce reportage vous revient de droit, Rouletabille. Oh, ce sera une cérémonie très simple, en vue, dans une concession des condamnés à mort. Kyrie eleison, Christe eleison. Un prêtre pour Larsan? Mais c'est un sacrilège. La demande m'a été faite dans les formes, monsieur le procureur. Je n'ai pas pu refuser. Une demande émanant de qui? Eh bien... Jamais j'aurais pu penser de me retrouver dans ce cimetière anonyme, à regarder le corps de Larsan retourner à la terre pour l'éternité. Tu le croyais donc immortel? Oui, comme le crime. Tu finissais par en faire une légende. C'était un homme. Mais qu'était-il vraiment? Quel était son véritable visage? Il a pris tant de masques. Pater Noster. Et ne nos inducas in tentazione. Regardez Rouletabille. C'est un peu sa jeunesse qu'il enterre. Oh, monsieur le procureur, il a toujours combattu Larsan. Ce combat était sa jeunesse. Et regardez notre ami Sinclair. Il voit lui échapper sa plus belle plaidoirie. Et vous, votre plus beau réquisitoire? Ma petite fille, maintenant c'est fini. Te voilà libre. Qui est-ce? La dame en noir.
La dame en noir, qui est-ce? La veuve de Larsan, Mathilde Sanderson. La fille du savant? C'est impossible. Elle doit épouser Robert Darzac, mon ami, dans quelques semaines. Elle avait dû retarder son mariage. Eh bien, maintenant, vous connaissez son vrai motif. Elle n'était pas libre. C'est incroyable. Comme tout ce qui touche à Larsan. Cet homme avait fini par vous fasciner, Rouletabille, et parfois vous parlez de lui avec une étrange indulgence. Mais comment Larsan avait-il pu épouser en secret la fille d'un homme aussi connu que le professeur Sanderson? Elle avait 16 ans, il avait le charme du diable. Elle l'a suivi. Et Mathilde ne savait pas qui il était? Oh, elle a appris très vite la vérité. Et par qui? Par Larsan lui-même. Enfin, cette épreuve l'avait beaucoup épuisé. Elle avait les nerfs malades. Elle a même dû séjourner dans une maison de santé. Enfin, tout ça, c'est du passé. Excusez-moi, Sinclair. Madame, permettez-moi de me présenter. Vous êtes Monsieur Rouletabille. Madame, j'ai combattu Larsan. La mort vient de vous délivrer de son emprise. Et si jamais son existence avait encore pour vous des conséquences funestes, souvenez-vous que je suis votre ami. Et qu'au premier signe de votre part, je serai près de vous. Merci, monsieur. Je m'en souviendrai. Explosion au laboratoire du professeur Darzac. Demandez l'époque. Une explosion. Voilà, merci bien. Formidable explosion. Tous les détails. Demandez l'époque. Explosion chez le professeur Darzac. Mais cette explosion, comment est-ce arrivé? Je n'en sais rien. J'étais dans la pièce voisine. Pauvre monsieur Darzac. Si vous l'aviez vu quand on l'a transporté à l'hôpital, il était dans un état... Ça pourrait être signé Larsan. Ah, c'est vous, Darzac. Bonjour, Sinclair. Vous avez reconnu le personnage qui sort d'ici? Je ne connais plus Paris. Bonnie. Bonnie Castellane. Un divorce bien probable et très parisien. Rassurez-vous, je ne dévoile aucun secret. La nouvelle traîne déjà dans toutes les gazettes. Je ne viens pas pour vous parler de divorce. Pardonnez-moi, mon ami. Donnez-moi plutôt des nouvelles de votre mariage. Eh bien, je compte sur votre présence. Soyez tranquille, Darzac. Tous vos amis seront là. Vous méritez tellement le bonheur. Mathilde, encore davantage. Certes, je connais ces épreuves passées et les vôtres. Je me sens parfaitement rétabli. Seuls mes yeux restent encore un peu fragiles. Oui, cette explosion. Quel danger vous avez couru. Vous savez, dans les laboratoires, les risques de la profession. Enfin, après 6 mois de Bretagne, un repos complet, je suis un tout autre homme. Un peu vieilli, peut-être. Vous ne trouvez pas? Sinclair. Si Larsan doit réapparaître, ce sera ici, demain, dans cette église. Beaucoup de recoins et de zones d'ombre pour se dissimuler. Darzac a choisi une église favorable à Larsan. Sinclair, cette porte. Condamné, il ne pourra passer par là. C'est insensé. Nous sommes là, tous les deux, dans cette église, à trembler devant un mort. Votre mari est mort, vous voici donc libre. Mais mon enfant, je ne sais plus rien de lui, c'est de lui que je veux parler. La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans la chapelle de son collège. Il aurait 20 ans aujourd'hui. Larsan me l'a pris pour toujours. Je ne l'ai jamais retrouvé, jamais. Je comprends votre peine.
et je crois qu'il est inutile de raviver cette plaie. Vous étiez jeune et vous avez commis une faute. Mais le Seigneur, dans son infinie miséricorde, vous permet encore le bonheur. Abandonnez maintenant toute angoisse. Mon père, c'est impossible. Larsan était un être diabolique. Depuis que les journaux ont annoncé sa mort, il a recommencé à vivre pour moi. Je le sens présent, alors que je commençais à l'oublier. Il est tout près de moi. Il est là, il est là, il est là. Allons, mon enfant, calmez-vous. Il est mort sur ce bateau. Oh, mon père, Larsan est mort si souvent. Demain sera une fête comme je les aime. Mariage, baptême, première communion, famille. Vous savez, pour moi, la famille. Nous allions en rang par trois le dimanche, en promenade. Nous étions 40 en uniforme. C'était ma famille. J'oubliais. Pardonnez-moi. Le parfum d'Adam en noir. Ce parfum qui flottait dans les couloirs lorsqu'elle venait me voir parfois le dimanche. Oh, comme j'aimais, comme j'espérais ce parfum longtemps à l'avance. Encore des fleurs pour demain, monsieur le curé. Un bien grand mariage pour notre petite église. Et que la bénédiction du Seigneur soit sur cette union. Merci. Merci beaucoup. Merci. Delcourt. Mon cher ami, ça a l'air d'une blague, mais je vous présente tous les vœux de la Sorbonne. Bon. Oui, oui, oui. La Sorbonne félicite. Et moi aussi. Là, je redeviens sérieux. Sincèrement, je suis très heureux pour vous. Ah, Delcourt. Il est doux de croire à l'amitié d'un confrère. Le monde scientifique a tenu à bien faire les choses, et il m'a choisi pour le représenter dans une sacristie. Elle a encore son regard cher folle. Ah, mon bon Brignol. Cher monsieur Darzac, tout le personnel du laboratoire me charge de vous exprimer ses vœux de bonheur, et moi-même, bien entendu. Je sais, mon bon Brignol. Merci. J'avais complètement oublié. À votre retour d'Écosse, il faut absolument que vous fassiez un petit détour par la Bretagne. Nous vous attendons. Oh oui, je vous en prie. J'ai acheté là-bas un château qui vous amusera. Des créneaux, des remparts et la mer tout autour. D'ailleurs, monsieur Darzac connaît déjà. Au début de sa convalescence, il est venu nous rendre visite. Très volontiers, si Mathilde le veut bien. Et d'ailleurs, vous y retrouverez votre père. Il est bien dès ce soir. Vous voyez, j'ai pris un otage pour être sûr que vous viendrez. En ce cas...
Rouletabille a disparu. Je l'ai cherché partout, impossible de le retrouver. Qu'est-ce que c'est? Il faudrait bien que je finisse par m'habituer à vos façons. Pourquoi avez-vous disparu de l'église? Mathilde est partie l'angoisse au cœur. Mon seul but est de l'en délivrer. Avez-vous fait choix pour ça de la meilleure méthode? Larsan va finir par devenir une véritable obsession pour nous tous. Mathilde est devenue Madame Darzac et les époux heureux voguent sur la Manche vers New Haven. Maintenant, Larsan est vraiment mort. J'ai passé une bien mauvaise nuit, moi, et à cause de vous. Et vous, qu'avez-vous fait jusqu'au matin? J'ai visité les anciens repères de Larsan, j'ai retrouvé ses complices, j'ai essayé de les faire parler. Et ils ont refusé? Au contraire! Ils le croient si bien mort que les langues ne demandent qu'à se délier. Mais elles n'ont rien à dire. Quel meilleur signe, Rouletabille. Croyez-moi, il vous faudra perdre l'habitude du malheur. Larsan. Je suis en danger, venez vite, Mathilde. Comment savez-vous? L'explosion, c'était Larsan. Mathilde est en danger. J'y vais. Je vous accompagne. Bien, messieurs, pendant cet arrêt forcé à Rouen, Mathilde me laisse un moment dans la gare pour retourner dans notre compartiment. Et là, elle voit Larsan. Oui, Larsan. Elle l'a parfaitement reconnu. Il semblait ajuster son déguisement devant la glace. Affolée, elle vient me rejoindre. Je la presse de questions. Je me précipite et à mon tour, moi aussi, je le vois. Sur le quai de la gare, en train d'allumer une cigarette. Le temps d'arriver, il avait disparu. Mais c'était Larsan, j'en suis sûr, monsieur. Mais êtes-vous sûr, mon cher Darzac, de ne pas avoir été abusé par une quelconque ressemblance? Non. Quand le train pour la Bretagne s'est arrêté à côté du nôtre, nous y avons rapidement transporté nos bagages. Peu de temps après, nous roulions loin de Larsan, qui, pensions-nous, devait continuer vers Dieppe et l'Angleterre. Eh bien, il est ici. Oui, nous l'avons vu en pleine ville aujourd'hui même. Vraiment? Croyez-moi, messieurs, il faut me croire. Les voilà. Dois-je prévenir, monsieur? Si vous le trouvez. Eh bien, Mathilde! Que monsieur m'excuse. Allez, allez! Ma chère Edith, voici monsieur Rouletabille. Mathilde sera bien gardée. Allons devant de ce monsieur, voulez-vous? Vous savez, vous prenez trop au sérieux cette personne. Et puis aussi cette histoire de monsieur Larsan. Enfin. Mais pourquoi n'avez-vous pas prévenu la police? C'est une affaire tout à fait privée. Vous savez ce que Larsan était pour Mathilde. Et ce qu'il est encore aux yeux de la loi et de l'église, puisqu'il semble être encore vivant. Le choc a été terrible pour Mathilde. Et je crains pour sa raison. La disposition du château est très simple. Voici la poterne d'entrée, gardée par le père Jacques. Ici, la tour de la Louve, où logent nos hôtes, monsieur et madame Arthur Rance. Là, la tour Ronde, où l'oncle de madame Rance, le vieux Bob, a installé son capharnaüm de préhistorien. Là, notre tour carrée, à Mathilde et à moi. Là-bas... Je voudrais d'abord visiter cette tour carrée. Mais... Oui, dès maintenant. Vous l'habitez avec Mathilde, c'est donc le premier point d'intérêt pour Larsan. Messieurs. Le hall d'entrée, qui comporte à gauche... Bonjour, messieurs. Vous voyez, je vous avais bien dit, un séjour idéal pour les revenants. Mes chères madames, on ne saurait que se plaire à revenir dans un endroit que vous charmez de votre présence. Je vous en prie, Sinclair, nous sommes ici pour Mathilde Stangerson, je veux dire madame Darzac. Comment va-t-elle? Où est-elle? Elle va très bien. D'ailleurs, elle n'est jamais bien loin. Oh, Rouletabille, c'est atroce. Je sens que je redeviens folle. Eh bien, je vous laisse avec monsieur Rouletabille. Si toutefois elle consente à vous accorder quelque attention, le dîner est à 8 heures. Edith! Edith! Là-bas, une pièce vide, avec une seule fenêtre. Impossible d'entrer, elle donne sur le vide et protégée par des barreaux. Ici, la chambre du vieux Bob, l'oncle de madame Rance. Quand il est là, c'est-à-dire pas très souvent. La disposition est la même que celle de l'autre pièce. Naturellement, ce vieux fou a fermé et a emporté la clé. Là, notre appartement. Messieurs.
Larsan est déjà arrivé à un résultat. Vous faire vivre en prison. Et là? La chambre de Mathilde. Une seule fenêtre fermée par une grille, elle aussi. De toute façon, il y a un pic d'au moins 20 mètres sur la mer. Pourrais-je parler à Madame Darzac? Je pense qu'il vaut mieux la laisser reposer. Vous devriez donner ce conseil à Larsan. Eh bien, Rouletabille. Un soir, dans un jardin de Cincinnati, j'ai compris de quoi Larsan était capable. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. C'était une phrase qu'il écrivait à Mathilde entre deux pages de menaces. Il a toujours voulu la reprendre. Maintenant qu'elle est mariée à un autre, il veut la tuer. Si Mathilde n'est pas à lui, elle ne sera à personne d'autre. Mais enfin, croyez-vous Larsan capable de renverser les murs de cette forteresse? Autrefois, elle en était bien capable. Oubliez donc le passé. Le passé ne m'abandonne pas, Sinclair. Un collège, un dortoir désert, quelquefois une dame en noir qui m'attendait au parloir, l'évasion à 8 ans, le hasard des routes, la solitude. Et le présent, Rouletabille, le présent. Eh bien, pour le présent, je crois seulement que la belle Madame Rance déteste Mathilde, que le professeur Stangerson est resté invisible, et que le vieux Bob est quelque part, mais pas ici. Eh bien, Monsieur Rouletabille ne viendra plus maintenant. On a dû lui dire du mal de la cuisine américaine. À tort, chère madame, bien à tort. Oh, monsieur, j'adore les Français quand ils sont cuisiniers. Oh, je ne regrette pas pour Monsieur Rouletabille. Il fait son métier, je suppose. Mais je regrette pour Madame Darzac. Je vous l'ai déjà dit, elle a préféré le calme, le silence. Eh bien, monsieur le professeur, n'êtes-vous pas inquiet au sujet de votre fille? Que voulez-vous dire? Ah, monsieur Rouletabille, alors, qu'avez-vous découvert? Un château fort dans lequel il est très facile d'entrer. Et vous allez nous changer tout cela? Si vous le permettez. Il faut protéger Mathilde. Dans ces conditions, nous organiserons dès demain matin notre défense. Et tout cela contre un seul homme. J'aurais bien voulu le connaître. Il doit être passionnant. Enfin, puisque voilà notre dernière soirée avant la guerre, je propose un peu de civilisation. Puisque d'autres ont vu Larsan, je ne suis donc pas folle. Vous risquez de le devenir si vous continuez à vivre cloîtré ainsi. Madame, si vous vouliez me faire confiance. Je vous ai appelé. Je suis venu. Nous avons une belle nuit d'été. Un merveilleux clair de lune sur la mer. Une subtile douceur de l'air. Ne leur faites pas injure. Mais elle joue bien. Tout le monde vous aime. Tout le monde vous a toujours aimé. Oui. Même lui. Ne parlons plus de Larsan. Je n'ai pas encore visité le bureau de Monsieur Mander. Ah, ce vieux fou qu'on appelle le vieux Bob. L'oncle de notre pianiste. Allons. Monsieur Rouletabille, ne m'abandonnez pas pour les morts. Madame, je ne vous abandonnerai jamais. Thank you.
m'abandonnez pas. J'ai vu Larsan, c'est lui. Laissez-moi, je vais le rattraper. Ne m'abandonnez pas, je vous en prie. Non, Rouletabille, ne me laissez pas. C'est Mathilde. Non, Rouletabille, ne laissez pas. Ne me laissez pas. Larsan est revenu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Ici, vous n'avez rien à craindre. Vous le savez très bien. Je l'ai vu, c'était bien Larsan. Vous aussi, n'est-ce pas? Vous aussi. Je ne suis donc pas folle. Il faisait tout pour qu'on le reconnaisse. La tête haute, le visage tourné vers nous. Tous vos amis sont autour de vous. Je vous le répète, vous n'avez rien à craindre. Ma chaminée, n'ayez plus peur, je suis là. Je tuerai Larsan, je vous le jure, donnez-le-moi, je le tue, je l'écrase. Non, ne le tuez pas. Non. Ne restez pas là maintenant. Non, il ne faut pas le tuer, il ne faut pas. Je te le promets, ma petite fille.